Bon, merci beaucoup à tous les organisateurs. Merci à Patrick, je veux bien qu'on en voit, pour cette petite introduction. Alors, ce n'est pas très facile pour moi, parce que là, vous avez baigné dans le 2.0, et moi, je retourne sur des choses, on peut envoyer, un petit peu plus basiques, avec un protocole que j'ai mis en place dans mon cabinet depuis plus de 7 ans. Et que je vais essayer de vous exposer. Ce protocole a l'avantage d'être très simple et très reproductible, même si, quand j'entends tout ce que j'ai entendu, ça me paraît un petit peu « ringard », entre guillemets. Ce titre, j'aurais pu l'intituler « Comment redonner le sourire à nos patients ?» parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé de technique, mais pas beaucoup des patients, et le traitement de l'édenté complet est quelque chose de très, très humain. Et cette citation de Brandmark, je me l'applique tous les jours, avec une précision constante qui conduit à un résultat prédictible. Et je vais essayer de vous la mettre en place. Alors, pendant 7 ans, j'ai réalisé 120 patients que j'ai traités avec des beaux résultats, avec des Procera Implant Bridge, donc avec une barre titane usinée de chez Nobel. Cette patiente, par exemple, ça fait 7 ans que je la suis, tout va très bien, je lui ai changé la vie, elle est contente. Mais hélas, je m'en suis rendu compte assez rapidement que j'avais énormément de fractures prothétiques. Et Bernard disait tout à l'heure qu'il avait 10%, moi je dois être en dessous, ça c'est certain, et j'ai mesuré dans mon cabinet 25,7% de fractures prothétiques sur 7 ans. Alors j'ai changé plein de choses en discutant avec les autres, j'ai augmenté la DV, j'ai changé le schéma occlusal, et même si ce type de prothèse se répare facilement parce qu'on peut toujours remettre le provisoire, c'est quand même très lourd à gérer. Alors, je suis passé sur un autre projet prothétique. Alors, de quoi parle-t-on? On parle soit de pilotis, comme ceci, ou alors de bridge classique. Dans tous les cas, ils sont faits en zircone multicouche, avec des différentes duretés et de translucidité. Et la grosse particularité, c'est que l'intégralité du schéma occlusal et tous les contacts muqueux sont pris en charge par la zircone. Le prothésiste réalise simplement une stratification sur les faces vestibulaires. Alors la zircone, personnellement, ça m'a fait un petit peu peur, parce que quand j'étais omnipraticien, j'ai eu pas mal de fractures de céramo-céramique sur armature zircone, et en cherchant un petit peu dans la littérature, on se rend compte que la zircone est utilisée depuis plus de 25 ans, que c'est un matériau bio-inerte, qui a une excellente tolérance parodontale et qui se prête très très bien à la CFAO et notamment les reconstitutions de grandes étendues. Alors en cherchant un petit peu dans la littérature, on se rend compte que la zircone simplement polie, donc je dis bien simplement polie, pas maquillée, ni glacée, ni rien du tout, juste polie, présente la surface la moins rugueuse et la moins abrasive par rapport à toutes les céramiques feldspathiques. On se rend compte également qu'elle engendre même une usure moins importante que l'usure physiologique émail-émail en antagoniste. Et enfin, dans le cas de reconstitution bimaxillaire, elle est très bien supportée au niveau neuromusculaire. Alors bien entendu, la conception de l'armature au laboratoire est quelque chose d'essentiel. Là, j'ai trouvé un article très intéressant de Marwan Das et Karim Dada qui font une classification en fonction du risque occlusal et de l'exigence esthétique. Alors pour ma part, compte tenu de mon passé avec beaucoup de fractures, j'ai classé tous mes patients avec un risque occlusal fort et une exigence esthétique. Pourquoi toutes les armatures que je réalise, toujours avec le même laboratoire, sont toutes faites de la sorte. Alors j'aurais aimé mettre tous les 50 patients que j'ai traités de la sorte avec ces bridges zircone, mais évidemment ce n'est pas possible. Mais par contre, le maître mot qui revient toujours, c'est que encore vendredi dernier, en posant un bridge, la patiente me dit « je suis arrivée en pleurant et je repars en souriant ». Et c'est quelque chose, comme disait Bernard, ces traitements-là sont extrêmement valorisants pour le cabinet. Et pour nous, et pour tout le monde. Alors ce protocole, je l'ai regroupé en 8 phases, qui sont simples et qui sont applicables à tous mes correspondants et que tout le monde peut appliquer extrêmement facilement. Si j'ai pris cette image de puzzle, c'est parce que chaque étape est essentielle et il faut vraiment que toutes les étapes s'enchaînent à la perfection pour arriver au résultat souhaité.
Alors, bien sûr, la première consultation, au sens large, on va faire une analyse esthétique, on va mettre en place des techniques de brossage, on va réaliser un assainissement parodontal, on va recueillir tous les éléments pré-extractionnels possibles. Ensuite, la grosse étape et la clé de tout, comme tout le monde l'a dit toute la journée, c'est le projet prothétique. Alors, pour ma part, je reste sur des techniques extrêmement classiques, comme si je faisais une prothèse adjointe totale immédiate, parce que beaucoup de mes patients ne sont pas encore édentés complets, c'est des futurs édentés complets. Dans le cas d'un édenté complet, on refait la prothèse avec un schéma occlusal parfait. 100% de mes cas ont été faits en chirurgie guidée, full guided, et comme disait Bernard, une fois de plus, tous les cas sont faits systématiquement sur piliers multiunites. J'ai toujours utilisé les mêmes implants, et dès que je peux, je procède en extraction-implantation immédiate. La patiente arrive donc au jour zéro comme ceci. Le bas sera traité ultérieurement sur la radio. La chirurgie reste une étape extrêmement simple, extrêmement rapide, comme tout le monde l'a dit. Pour moi, c'est un guide à appui muqueux. Il suffit juste de maîtriser le protocole de forage, connaître ses implants pour avoir une stabilité de 35 newtons à peu près. Les alvéoles sont toutes nettoyées, comblées avec du bios. Juste, je mets des petites compresses de collagène dessus que je suture. Je mets en place des petits piliers provisoires. Et là, pour le coup, le laboratoire de prothèses avec qui je travaille m'a réalisé un bridge provisoire qui est totalement ajouré au niveau des 6 implants. Alors bien sûr, ça fait moins rêver que tout ce qu'on a vu auparavant. Mais moi, ce guide provisoire, déjà mon prothésiste m'a préparé les fûts pour que je puisse vérifier l'occlusion du patient. Et ensuite, ce guide provisoire, il y a une petite languette en résine qui me permet de le plaquer sur le palais. Et c'est ce que je fais, que j'ai fait sur tous les patients. Et ça fonctionne très très bien. Le patient repart du cabinet, c'est moi qui ajuste le bridge. Il est environ midi et le patient repart comme ça. Je n'ai pas eu le temps de développer, mais sur la photo précédente, on pense déjà à travailler les tissus mous en comprimant légèrement au niveau des éléments intermédiaires en vue de réaliser des papilles ultérieurement. Ensuite, on revoit le patient 4 mois après. Voilà la cicatrisation qu'on obtient. On fait une radio, des photos, on discute. Pendant la période, le patient a évidemment mangé plutôt mou. Et ensuite, on va arriver à la séance de contrôle d'ostéo-intégration. Donc, on dévisse, on vérifie le serrage des piliers multiunites, on nettoie tout cela. Et là, on réalise, comme on l'a déjà dit, 3 empreintes alginates, une de la situation en bouche, une de la situation actuelle et une de l'antagoniste. Le laboratoire de prothèses va alors nous réaliser un porte-empreinte pour faire une empreinte au plâtre. Alors, ça ne fait pas rêver, je sais bien, mais l'empreinte au plâtre, ça prend très peu de temps. Et pour moi, enfin, je l'ai fait avec tous mes correspondants la première fois, et je vous assure que c'est hyper facile, hyper fiable, et je reste, pour le moment, attaché à ça. Ensuite, on utilise le bridge provisoire pour enregistrer la relation intermaxillaire en faisant simplement serrer le patient sur du Luxabite. Et c'est ce bridge provisoire, une fois que l'empreinte au plâtre aura été traitée, ce bridge provisoire va être monté sur l'articulateur et grâce au Luxabite, la prise d'occlusion sera faite. On refait évidemment un bilan photographique, on discute avec le patient pour écouter ses remarques. Alors ensuite, on arrive à l'étape ultérieure, qui est l'essayage esthétique de précision, que le prothésiste réalise en fonction des photos qu'on lui a données, de la discussion qu'on a eue avec le patient. C'est un essayage qui est en PMMA, qui est usiné, et là, on va attacher une très grande importance au réglage en bouche de l'occlusion statique et dynamique. Je me suis rendu compte que, pour un laboratoire de prothèses, de réaliser de nombreuses reconstitution de grandes étendues, c'était très difficile de le personnaliser. Et comme je ne suis pas trop génération de zéro, je n'ai pas le logiciel Smile Design pour le moment. Et du coup, maintenant, le prothésiste vient au cabinet et personnalise directement avec le patient en discutant avec lui et avec moi, avec des soustractions et additions de résine, le bridge provisoire. On arrive à passer de c'est le même bridge qui est juste modifié légèrement, mais pour moi, l'aspect naturel est beaucoup plus intéressant sur la seconde. Alors, cet essayage esthétique de précision, il est hyper important parce qu'après, il va juste être scanné et le logiciel Exocad, pour
pour le coup, j'utilise un petit peu de numérique quand même par mon prothésiste, va enlever 1 mm sur les faces vestibulaires afin de réaliser sa stratification. On voit que c'est vraiment la copie conforme. Le bridge va ensuite pouvoir être posé. On voit que les faces occlusales sont complètement zircone. Ce rendez-vous de pose est ultra simple. On met 6 vis, du téflon, du clip flow. Personnellement, j'utilise ça toujours, même sur les prothèses d'usage, parce qu'on ne peut pas réaliser des prothèses de cette étendue-là sans parler de la maintenance. Et une fois de plus, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, car l'environnement biologique de nos patients évolue tout le temps, et je pense que tous ceux qui font un petit peu de parodontie ont remarqué qu'avec la pandémie qui vient de se découler, il y a eu beaucoup de problèmes parodontaux qui se sont déclenchés. Donc nous, on revoit les patients à 6 mois la première fois, et après on voit en fonction de ses habitudes d'hygiène, etc., si on le revoit à 1 an ou 2 ans maximum. Et à chaque fois, on dévisse la prothèse, on revérifie le serrage des piliers multi-unites, et on nettoie très soigneusement tout cela. Alors la zircone, ça c'est le premier cas que j'avais réalisé il y a 3 ans. Quand je l'ai déposé, j'ai retrouvé des gencives dans cet état-là et des papilles qui se sont créées de façon absolument incroyable. Et j'aurais pu vous dire que j'avais fait des greffes de conjonctives, des techniques mucogingivales incroyables, mais il n'en est rien, j'ai rien fait du tout, juste toujours la même chose, du bios et du collagène. Et c'est la zircone avec le laboratoire de prothèse et la compression qu'on imprime sur les tissus qui permet de sculpter cette gencive. Alors j'ai même poussé un petit peu le vis à faire revenir cette patiente qui a été soignée par une de mes correspondantes, et là j'ai juste déposé, c'est la patiente qu'on avait vue pour la chirurgie, j'ai déposé le bridge 3 jours après la pose, et on voit déjà que les papilles sont en train de se recréer au bout de 3 jours. Le phénomène de creeping attachment est au maximum au bout de 2 mois. Et la photo que j'ai montrée avec toutes les papilles, je le retrouve sur tous les cas. Voilà, et pour conclure, je voudrais, donc je termine avec ma photo du départ. Le traitement de l'édenté complet, fait comme ça. Alors, je fais toujours la même chose, toujours les mêmes implants, toujours les piliers multi-unites, et on arrive à avoir toujours des résultats parfaitement reproductibles. Alors bien sûr, là on est en train d'évoluer avec le logiciel Smile Design, mais pour ma part, je me rends compte que quand on a la chance d'avoir son laboratoire de prothèses à proximité, on peut avoir des échanges très très importants, une personnalisation, et le patient y est extrêmement sensible, la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle là, je suis en train de me former actuellement, évidemment c'est sur le Mojo qui va apporter beaucoup avec le logiciel Exocad, pour pouvoir bien façonner et améliorer encore l'occlusion. Et pour terminer juste, depuis que je fais ces 50 cas que j'ai traités en 3 ans, j'ai eu pour le coup 0% de casse prothétique et toujours un bon taux de succès implantaire comme avec la reconstruction précédente. Voilà, je vous remercie.